Et salut à tous les frérots, salut à tous les légendes, j'espère que vous allez tous extrêmement bien. En tout cas, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo assez importante parce que je me demandais pourquoi est-ce qu'il y avait une maintenance dans la boutique hier soir à 20h, 21h, un truc comme ça. C'est vachement pas typique. C'est d'habitude les mises à jour de boutique, c'est le matin au début de mise à jour ou pour annoncer des nouveaux personnages, etc. Et là, ça n'avait absolument rien à voir. En fait, tout simplement, les gars, les prix des cristaux et même de tous les achats in-game de Dragon Ball Legends ont augmenté. Alors, sachez qu'actuellement, c'est le cas également, je crois, sur Dokkan Battle. En tout cas, ça va arriver. Et peut-être sur d'autres jeux, je sais pas, je ne suis pas renseigné. Première chose, dans cette vidéo, les gars, je vais parler de ce que je sais, de ce que je connais, de ce que je conçois, de ce que je maîtrise. Et pas seulement, et pas de choses que je ne maîtrise pas, pour vous dire des âneries ou des choses de « ouais, on m'a dit que », sans être des sources concrètes. Je ne suis pas qualifié dans le domaine, donc je ferai ce que je peux faire. Et surtout parler de ce qui m'intéresse, ce que je peux développer, ce que je peux juger de bien ou de pas bien, de l'impact que ça aura, mais je vais pas vous évoquer des sujets dans lesquels je ne maîtrise pas, tout ça parce qu'on m'a dit, voilà, je sais qu'il y a pas mal de gens qui causent des choses qu'ils ne connaissent pas, je ne vais pas m'aventurer dans le sujet là. Le but, c'est que je dise que je sache ou ce que je ne, enfin ce que je connais, tout ce que je peux travailler autour en fait, tout simplement. Du coup, bah vous le voyez ici, les prix de la boutique ont augmenté. Alors vous allez me dire comment ça se fait. C'est là où je vous dis que justement, bah je vais pas vous en parler plus que ça. Moi c'est pas là où je vais être fort, où je vais être intéressant pour vous. C'est parce que je pense clairement hein, de ce que ça a été dit, c'est vraiment au niveau vous savez de la valeur de l'euro et du dollar hein, qui fait que l'euro est descendu sous le dollar, je pense en est actuellement, c'est pour ça que je vais pas aller plus loin. Mais ça va être quelque chose comme ça, et des tarifs que doivent imposer Google, iOS, à Bandai Namco, ou des choses comme ça. Ça doit être des grilles tarifaires en mode, voilà, et en gros, les tarifs que leur imposent Apple, Android, etc. font que, bah, ils sont dans l'obligation d'augmenter le prix des... Enfin, l'augmentation, bref, peu importe. Mais en tout cas, ça impacte le fait que la boutique devient plus chère, que les achats in-game deviennent plus chers. Hein. Vous le voyez, par exemple, le déblocage du plan de mission, il est à 9,99€. Et je crois de mémoire qu'il était à 6 ou 7,99. Donc vous voyez, sur un achat à 10 balles, ça fait quand même 2 ou 3 euros d'augmentation. Donc on parle quand même de 20-30% d'augmentation. C'est absolument gigantesque, hein, les gars. C'est absolument gigantesque. Le pack à demi-cristaux, je crois de mémoire, il était à 28,99 ou un truc comme ça. Donc c'est pareil. Si c'est pas exactement ça, je me rappelle plus exactement des prix de la boutique. Mais bref, ça doit être 5-6 balles. Enfin, c'est énorme. C'est une grosse augmentation, les gars. C'est pas juste 50 centimes, c'est pas juste 1€, 1,50€, c'est vraiment des coûts de 3-4 balles et sur des gros packs, ça part encore plus loin, hein. Vous voyez le pack à 2000 balles, 2000 cristaux, 49 balles sans promo, 2000 cristaux, rendez-vous compte du prix que ça engendre. Du coup les gars, maintenant on va aller plus loin, on va aller parce que là maintenant qu'on le sait, que vous avez appris la nouvelle, etc. Donc même pour les free to play, je pense que ça peut être une vidéo vachement intéressante pour vous, pour comprendre plein de choses au niveau du gacha, parce que justement, je voulais en parler, je voulais faire une vidéo sur ce qu'est le gacha, enfin, j'ai parlé du gacha, en général du système de gacha, parce que je fais que faire des vidéos sur un gacha, mais je n'en parle pas vraiment, et du coup je me suis dit, bah là, c'est parfait, ça me fait, permet de faire une pierre deux coups, et en gros maintenant ce qu'on va regarder c'est l'impact, parce que c'est ça qu'on va réfléchir. Parce que maintenant, l'impact sur moi, l'impact sur vous, l'impact sur nous, créateurs de contenu, bref, peu importe, on s'en fout sur tout le monde, au grand public, peu importe. Quel est l'impact que ça aura et sur le jeu en lui-même? Est-ce que ça changera des choses? Alors déjà, pour commencer, je ne vais pas réagir à chaud. C'est que mon but là, c'est pas de dire « OMG, je vais réagir à chaud », comme plein de gens vont le faire sans doute, de se dire « Ouah, ça a augmenté, je vais arrêter de payer ». Parce que ça, c'est la réaction à chaud. La vérité, c'est que c'est pas bien de réagir à chaud. Je l'ai fait pas mal de fois, même sur la chaîne YouTube. C'est pas bien. Je sais que c'est pas bien. Vaut mieux en avoir un avis posé là-dessus. Ce que je veux dire par là, c'est qu'en premier lieu, on va parler de l'impact que ça va avoir sur moi, en proprement dit. Alors moi, déjà, pour ceux qui le savent ou qui le savent pas, moi, je ne vis pas de YouTube. C'est-à-dire que ce n'est pas mon travail. Je travaille à côté. J'ai un 38h30. Je travaille à côté de YouTube. Donc déjà, ça va changer les choses. Parce qu'encore une fois, vu que je n'en vis pas, j'ai moins ce côté rentabilité. Alors encore une fois, je fais des vidéos tous les jours. Forcément, ça génère des revenus, on est bien d'accord. Donc j'aimerais bien que ça rentre dans de ce que je cash play, que ça rentre dans les revenus que je génère, voire mieux, que je puisse faire mieux pour développer des projets perso, etc. Donc ça change des choses sur le fait que j'ai pas besoin de forcément ce côté rentabilité là. Donc ce que je veux dire, c'est que moi, le but de ma chaîne, c'est quoi? En réalité, c'est de faire des showcases, tester des nouveaux persos, invoquer, faire des duels invocations, etc. comme vous l'avez vu récemment. Donc, personnellement, que le pack soit à 34,99 ou à 28,99, je voudrais showcase le perso. Vous voyez ce que je veux dire? Il faudra que je showcase le perso, parce que je le veux sur mon compte. S'il faut faire un duel à vocation, il faut qu'on fasse 4 steps, bah, il faudra qu'on fasse 4 steps. Donc j'irai les chercher, alors forcément, et ben derrière, ça me coûtera peut-être plus de sous à moi, et j'aurai bah, forcément, voilà, ça aura un impact en fait sur le revenu que je génère à la chaîne YouTube, etc. Donc forcément. Après par contre, si on parle du côté perso, c'est-à-dire que si tu enlèves à ça, et que ce soit le côté perso,
Eh bien, la question se pose, et maintenant on peut l'ouvrir hormis moi à tout le monde en général. Est-ce que vraiment ça va forcer des gens à arrêter? Eh bien, moi je vous dis de tout cœur, personnellement, de tout cœur, je l'espère. J'espère qu'il y a des gens qui vont se dire, c'est la goutte de trop, c'est mort, j'arrête, c'est trop, j'ai plus les moyens. Actuellement dans la vie, ben, on le sait tous, c'est compliqué. J'ai plus les moyens, c'est pas possible, ça devient plus un plaisir, ça me met dans la merde, etc. C'est fini, je dois mettre stop à ça. Et au contraire, ça va être la goutte d'eau qui va faire déborder le vase, comme on dit. Mais ça, j'y crois pas. En fait, je pense qu'il y a des gens sur Twitter, j'ai vu pas mal de gens en parler, que ce soit des gens peu connus ou un peu connus ou quoi, je trouve un peu aveuglé par le fait que, à l'heure actuelle, au début, on se dit « mais c'est n'importe quoi, c'est ouf, c'est n'importe quoi ». Mais je pense qu'on est tous d'accord pour se dire qu'on est seul face à notre téléphone quand on achète nos cristaux dans la boutique, et que les gachas, ça reste de la merde, en termes de... Les jeux gachas, en soi, c'est pour te tirer ton argent. Je rappelle qu'il y a des pays où les jeux gachas sont plus ou moins interdits. En tout cas, t'as pas le droit de faire d'achat in-game. Salut la Belgique. Donc, ça reste tout fait pour que t'ailles dans la boutique. Vous allez dire, oui, mais c'est moi qui décide. Mais en fait, le truc, ce qu'il faut pas oublier, c'est que le phénomène d'addiction au gacha, en fait, les achats que vous avez dans la boutique, pour moi, ça reste des achats compulsifs. Des achats compulsifs, que j'appelle compulsifs, c'est-à-dire en mode, tu vas faire les magasins quelque part, t'as prévu rien d'acheter, mais toi, ça te saute aux yeux, tu le prends, parce que tu le kiffes. Tu vois, t'es un truc, oh, wow, y a une figurine, je sais pas, de n'importe quoi, un truc qui te... Waouh ! La figurine, elle est à 38,99. Elle aurait été à... Tu la prends, parce que tu la veux absolument. Elle aurait été à 33,99, tu l'aurais prise aussi. Mais là, elle est à 38,99. Tu vas la prendre aussi. Parce que il y a le côté impulsif. Et d'ailleurs, les gachas jouent sur ça, sur le côté de... Quand tu vas dans la boutique, t'es pas tout le temps à te dire « Est-ce que j'achète? Est-ce que j'achète pas ?» Non, tu vas prendre dans la boutique parce que tu veux le perso, tu veux le nouveau perso. Et c'est là où ça va se mélanger au phénomène de gacha. C'est-à-dire que là, on va dire « Ouais, moi, j'invoque plus. » Ok, d'accord. T'invoques plus à l'heure actuelle, aujourd'hui, t'as bien raison, tant mieux. Et c'est, encore une fois, je l'espère de tout cœur. De tout cœur, je l'espère. On en reparle dans un mois et demi, sans doute, on verra. Il y aura le Legends Festival. Il y aura des gens qui vont pas drop. Et potentiellement des cash players. J'espère que les free-to-play dropperont au maximum, bah évidemment. Faites vos stocks de cristaux, là ça devient plus qu'urgent de stack. C'est, d'ailleurs au passage, hein, le stack là devient mais mille fois plus intéressant, la vérité, parce que... Enfin voilà, c'est, bref. Le gars tout seul face à son téléphone, qui va pas dropper son Goku Vegeta Tag Transfo Gogeta 4 là, qui a l'habitude de cash play, vous croyez qu'il va cash play moins? Ok, peut-être qu'il ira moins chercher d'étoiles, peut-être, et encore, je sais pas. Mais avec la hype que ça va générer, vous croyez sincèrement que le mec de 34,99 à 28,99 va se dire « Non, j'achète pas ?» Je l'espère. C'est-à-dire que moi, encore une fois, la règle principale, la règle propre qu'il vous faut et qu'il faut à tout le monde, c'est un budget. Tu fixes un budget. Tu fixes 100 balles de budget, par exemple. Imaginons sur un portail, tu veux te faire plaisir, c'est la folie. Tu dis « Allez, hop, je mets 100 balles. » C'est déjà une grosse somme, 100 balles. Eh ben, tu le respectes, que ça soit avant l'augmentation, après l'augmentation, tu es obligé, il faut que tu te dises, stop, c'est 100 balles, 100 balles, c'est 100 balles. 100 balles, c'est pas 115 balles parce que les prix ont augmenté. Ah non, parce que toi, je suppose que ta vie n'a pas forcément beaucoup augmenté entre l'augmentation d'hier et d'aujourd'hui, tu vois ce que je veux dire? Donc, ça porte un réel intérêt de... En fait, je pense qu'il y aura peut-être des gens à qui vont dire, bah voilà, moi c'est fini, c'est la goutte d'eau, j'arrête, j'ai plus les moyens, c'était mon petit plaisir, c'était mon kiff, j'arrête. Et tant mieux. Quoi qu'il arrive, tant mieux. Après, c'est un plaisir, t'as les sous pour le faire, je suis droit de juger personne. Mais je pense que ça... Faut pas oublier que là, on est J, le jour J, quoi. Quand sera-t-il dans 6 mois? Moi, je vous dis clairement, ça sera lissé. C'est-à-dire que les gens qui ont arrêté de payer, soit repéreront, déjà, soit seront largement couverts par les gens qui n'en auront rien à foutre. Donc forcément, l'impact que ça aura sur le jeu, moi je pense que ça sera néant, rien. Je dis pas qu'il y aura d'augmentation, je pense pas. Parce qu'encore une fois, je pense pas qu'il... Enfin après je suis pas compétent dans le domaine, hein, je vous dis, mais je pense pas que ça soit un plaisir ou pour faire plus de bénéfices qu'ils aient fait ça. Je pense pas. C'est en fonction de ce qui a pu augmenter, le marché, l'euro, le dollar, etc. C'est ce genre de choses-là qui peut influer, les grilles de tarification des Google, iPhone, tout ça, qui augmentent. Mais je pense pas que ce soit Bandai Namco Domain, ils se sont dit, il faut qu'on fasse plus de bénéfices. Je sais pas, je suis pas dans le truc. Ou alors, peut-être qu'ils se sont dit, bon, bah tant mieux, on va en profiter pour mettre nos petites... voilà. Peut-être. Mais moi, je suis pas compétent en ça, donc je vais pas en parler. Moi, là où je serais plus intéressant d'évoquer le sujet pour vous, ça sera dans le système de l'impact que ça aura.
Donc clairement, moi je vous dis, je pense qu'il faut pas être trop naïf. C'est-à-dire qu'il faut pas être trop naïf de se dire, ouais c'est vrai, putain c'est abusé, c'est n'importe quoi, voilà. Oui, mais quand sera-t-il quand tu seras seul face à ton téléphone? C'est là où le gacha est fort, c'est là où le gacha c'est de la merde. C'est que tu vois que même quand les prix augmentent, bah, ils tirent sur le phénomène d'un truc, j'en ai pas encore parlé là, enfin très peu, c'est l'addiction. Il y a des gens qui sont addicts, ok? Et moi j'ai une question à vous poser, est-ce que, genre, alors vous allez me dire, oui certains, il y a des exemples, tu vois? Par exemple l'augmentation de la cigarette, je rappelle que la cigarette c'est une addiction, le casino c'est une addiction, plein de choses sont des addictions. Le gacha, le fait de payer dans un gacha reste une addiction, faut pas l'oublier. Donc quand il y a des gens qui sont addicts, est-ce que le fait d'augmenter 2 euros, ça change énormément de choses? On est tous d'accord pour dire qu'on a tous des exemples de dire, ouais regarde, il y en a qui sont arrêtés de fumer, tout ça. Bon, après ça reste, fumer c'est comment on va dire, c'est encore plus d'impact parce que c'est un impact sur ta santé et tout. Mais je veux dire, malgré tout, je compare pas forcément les deux choses, mais je compare le système d'addiction. En fait c'est ça que je voulais dire, c'est, il me faut forcément des exemples. Et on a tous des exemples de dire, ouais il y a quelqu'un qui a arrêté la cigarette machin parce que ça devenait trop cher, tu vois. On a tous des exemples. Et sur principe, parfait. Tant mieux, mais tant mieux que des gens arrêtent de payer sur gacha. Mais la grande partie des gens paieront. Tant que ça reste raisonnable. Évidemment, si le pack à 2000 cristaux, il prend 100 balles. Bon là, voilà, on reste, voilà. Si le pack, là, parce que là, les prix, là, c'est monumental. C'est-à-dire que là, un cycle, c'est quoi, un 3000 cristaux, un truc comme ça? Ça va être 3000 cristaux. C'est-à-dire que là, pour faire un cycle, t'as la promo à 20 balles et la promo à 35 balles, t'es à 55 balles le cycle. C'est hors de prix. C'est hors de prix. C'est totalement hors de prix. C'est n'importe quoi. Déjà de base, c'est cher, tu vois. Mais encore plus augmenter ce qui est déjà cher, c'est ouf. Hein, faut se rendre compte, les gars, 50 balles quand t'as plus de promo. Hein, bon, voilà. Mais quand t'as plus de promo, 50 balles, 2000 cristaux. 2000 cristaux, c'est quoi? Donc ça rappelle encore le truc, en plus de dire aux gens, qu'ils soient petit cash player, grand cash player c'est différent, mais petit cash player ou free to play, de se dire, bah, il faut farmer le moins de CC qu'on a in-game. Et le problème avec Legend, c'est que c'est chiant de le faire, parce que c'est pas agréable, tu vois. Mais quand c'est des raids, des choses comme ça, c'est là où il faudra encore moins passer à côté, parce que, même pour surtout petit cash player, et bien derrière, quand tu vas aller dans la boutique, bah ton budget il va être plus serré. Enfin, tu vois, tu auras peut-être le même budget, mais tu auras moins de cristaux à la fin. Donc, tu invoqueras moins. Et peut-être que tu auras du coup envie de plus mettre, tu vois. Donc, pour récapituler ce que je veux dire en gros, c'est que même s'il y a des gens qui arrêtent, malgré tout, ça sera lissé déjà par le temps. Il y a une donnée à prendre en compte primordiale, c'est le temps. Tout simplement, le temps. Vous savez, l'être humain, il s'habitue. Et c'est triste à dire, mais il s'habitue même à de la merde. On le voit, sur Legends, on est les premiers, hors boutique, hein, mais sur Legends en global, on est les premiers. Et même dans le gacha, dans plein de trucs, dans la vie, voilà, on s'habitue à plein de choses. L'humain s'habitue. Et il est fait comme ça, il est fait pour s'adapter et pour s'habituer. Et on s'habitue à tout. Alors vous allez me dire, ouais, t'es fou de dire ça, Day One. Retenez bien, je sais, il y en a qui vont me dire, t'es malade, mec, tu n'importe quoi, t'es déraisonné. On en reparle dans 6 mois. Est-ce que le jeu... Après, ça, y aura forcément les données de est-ce que le jeu se porte toujours aussi mal, est-ce que le jeu se porte mieux, qui fait que ça a plus de sous parce que le jeu se porte mieux, est-ce que le jeu il est finito, tu vois, des choses comme ça. Dans 6 mois, il sera pas finito, mais vous voyez ce que je veux dire. Dans quelques temps, ça, voilà, il y a ce genre de choses là qui vont changer. Mais moi, je vous dis, on peut reparler de cet extrait en live ou quoi, quand vous voulez, peu importe. Dans 6 mois, moi je pense que ça sera lissé. Parce que là, on n'a aucune hype sur le jeu. On se fait chier, il n'y a rien à foutre. Donc forcément, le moindre truc, là, on peut râler. Hein, parce qu'on ne va pas aller mettre des cristaux sur le portail de Vegeta Ozaru. Hein. Moi, je vais pas aller mettre des cristaux sur des Best Broly. Hein. Non, c'est mort. Hein, ça non plus. Enfin, ça non plus, tu vois. Je vais pas aller mettre de cristaux là-dessus. Donc forcément, c'est plus facile à dire. Mais on en reparle déjà le jour où les portails du Legends Festival sortent, où Gohan, la bête, sort, où plein de trucs comme ça sortent. Ça sera différent. Parce que je rappelle encore et encore... que sur Twitter, tu peux mettre des messages, il y a des gens qui les voient, quoi. Quand t'es face à ton téléphone, que t'es tout seul, t'es dans la boutique, t'es tout seul. C'est à toi de te fixer tes propres limites. Et ça, c'est ça qui est terrible. C'est là où les gachas se couvrent là-dessus, d'aller voir les gens les plus faibles, les moins résistants, et eux, ils vont craquer. Est-ce que le plan de mission, ça changera quelque chose? C'est pareil, encore une fois. Allons un petit peu plus, un peu plus loin, c'est le phénomène de l'habitude. C'est-à-dire que nous, quand on a des choses, enfin je sais pas, l'être humain, tout ça, moi-même le premier, quand j'ai des choses,
Et quand je les perds derrière, même si de base je les avais pas, qu'on me les a donnés, que je me suis habitué avec et qu'on me les enlève, je suis en mode mais non, c'est abusé. Alors qu'en fait, on te l'a donné. Tu vois ce que je veux dire? Et du coup, ce que je veux dire par là, c'est que quand t'as l'habitude de prendre ton plan de mission, tous les mois, de prendre tes 1500 cristaux du plan de mission, tous les mois, tu prends tes 1500 cristaux du plan de mission. Est-ce que là, parce qu'il est à 10 balles, tu diras, quand tu vas être seul face à ta boutique comme ça, tu vas dire, je prends plus mon plan de mission. Aujourd'hui, peut-être. Dans une semaine, peut-être. Dans deux mois, peut-être. Dans six mois. Peut-être. Je l'espère pour toi. Je le crois. Enfin, j'espère. Je suis personne pour juger personne. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, c'est là où je voulais en parler. Je n'attaque personne. Je critique personne. Les prix augmentent, c'est un fait, je ne suis pas qualifié dans le domaine, peut-être qu'il y a des gens qui vont sortir des choses, moi encore une fois, je préfère vous parler de choses que je connais, parce que je pense qu'il y a plein de gens qui vont vous dire « Ouais, mais c'est à cause de ça, ça, ils n'en savent rien », c'est juste histoire de se rendre crédible. Moi, je ne suis pas crédible pour vous parler de ça, donc je ne le fais pas. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il doit y avoir des raisons propres, c'est évident qu'il y ait des raisons propres. Voilà, les gars, je sais qu'il y a des gens peut-être qui sont jeunes ou quoi, qui vont se dire « Ouais, ils augmentent parce que le jeu est finito ». Non, je pense que l'augmentation, on le verra sur plein de choses. Potentiellement même sur d'autres jeux, que ça soit je pense sur tous les jeux Bandai Namco, peut-être sur d'autres jeux, en tout cas ça dépend de plein de choses, ça dépend sans doute de plein de paramètres, de où est le jeu, s'il vient du Japon, s'il vient de... Voilà, ça doit changer les choses, des États-Unis, de la Chine, ça. Donc voilà, je pense plus ou moins avoir tout dit, en tout cas quoi qu'il arrive, si on pouvait terminer, quoi qu'il arrive, le mieux du mieux du mieux du mieux du mieux, c'est de 1, de pas mettre de sous dans le jeu. Ça reste, quoi qu'il arrive, la meilleure chose pour un free-to-play. Au contraire, ce qui va être pas mal, c'est que ça va peut-être plus et encore renforcer le free-to-play, de se dire, je reste free-to-play. Là, ça devient... Déjà, c'était cher. Je me disais peut-être, pourquoi pas un moment, si vraiment je mets 8 euros pour le plan de mission et tout. Là, tu vas dire, oh, bah non, mais 10 balles, c'est mort. Je l'espère, ça serait la meilleure chose possible. Mais est-ce que ça sera pas couvert par les gens qu'on aura rien à foutre? Ouais, parce que peut-être que il y a une partie des gens, bah... Voilà, tu vois ce que je veux dire? Donc encore une fois, ça pourrait avoir un impact positif de dire les gens vont moins acheter, mais en réalité moi je le vois pas vraiment comme ça, personnellement, je le vois pas vraiment cet avis là, je le souhaite de tout cœur, mais c'est pas comme ça. Donc bah voilà, n'hésitez pas à donner votre avis dans l'espace commentaire, c'était chill, c'était posé, on n'est pas là pour se taper dessus, on n'est pas là pour dire oh le jeu est finito, sinon bah encore une fois c'est un débat intelligent, on essaie les gars de faire des débats, s'il vous plaît dans les commentaires un minimum posé, tu vois, réfléchi, pour pouvoir réagir entre nous dans le respect, mais je veux pas des belles et finito, etc, sinon... Ça n'a pas de sens, on peut pas évoquer le sujet, parce que là, c'est pas propre à légende. Ce que je veux dire, c'est que je pourrais prendre peut-être le screen de Dokkan, ça serait la même chose, tu vois. L'écran de Dokkan serait la même chose. C'est pas ça, c'est pour parler du phénomène. Après, peut-être il y a des gens qui sont pas d'accord avec moi, et qui vont dire non, clairement, c'est la goutte de trop, et les gens vont arrêter de payer. C'est pas... En fait, je dirais ça sur des choses qui ne sont pas propres à l'addiction au gacha, mais là, ça reste quand même différent. Bon, en tout cas, je pense avoir dit tout ce que je voulais dire, les gars. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et à vous abonner si jamais vous voulez parler d'autres choses et de voir les nouvelles actualités et de nouvelles vidéos sur la chaîne YouTube. Voilà, on va pas parler de ça à 50 ans, mais en tout cas, je l'ai fait dans cette vidéo et j'en suis bien content. Je pense avoir dit tout ce que je voulais dire. Allez, on se dit à très vite. Ciao.